Notre invité de ce soir est un homme complexe. Il dit des énormités avec un sérieux désarmant. Quasiment aussi séduisant que Linda Evangelista, plus drôle et plus magique que Claire Schiffer. Applaudissez, s'il vous plaît, l'homme, the man. Mesdames et messieurs, le grand Daniel Prévost. Daniel Prévost. Daniel Prévost. Vos applaudissements prouvent encore une fois que vous avez du goût. Vos applaudissements montrent évidemment que vous avez du goût. Daniel Prévost, sa consécration à la télé, c'est le petit rapporteur. Allez, rapporte. Tu le vois encore, Prévost? Ah non, je le vois plus. Il m'appelle plus. Il est fâché? Fallait pas l'inviter, Prévost. Il a laissé tomber le petit rapporteur. Allez. Moi, vous savez, même quand on dit n'importe quoi sur moi, ça me fait plaisir. Ouais, vous êtes de J'adore bonne humeur, entendre ouais. parler de moi. D'accord. J'adore qu'on dise des trucs sur moi. Comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes coléreuse? Est-ce que vous êtes anxieuse? Est-ce que parfois vous êtes déprimée? Je suis tout à la fois, tout ce qui représente la nature humaine dans son ensemble. C'est-à-dire, je suis tout ce que vous venez de dire, plus des milliers de choses. Je ne suis pas une seule couleur, je ne suis pas uniquement, comme vous dites, justement, un comique. Mmh. Je suis, j'ai l'habitude de dire qu'entre un être humain et moi, il n'y a pas grande différence. On a tous un côté beauf, à quelque échelon que ce soit de la société, je veux dire, faut pas se tromper. C'est-à-dire que le beauf, si vous voulez, Nagui, c'est que le beauf, à un moment donné, ressurgit des égouts de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'odeur. Donc il faut se méfier toujours, il faut toujours traquer le beauf en soi. Ou en coton, bien entendu, ça n'a pas d'importance. Comment se fait-il que vous soyez drôle? Moi, je ne peux pas vous répondre. C'est un don de la nature. Vous savez, le dieu du comique parle par ma bouche. Si je vous dis religion? La religion, vous savez, moi, Dieu, il y a longtemps que j'ai mis une croix dessus. Je bénis la France entière et les pays francophones. Il est important de mentionner qu'il s'agit, de toute façon, de dire n'importe quoi. Tout le monde croit connaître Daniel Prévost. On sait que c'est un comédien, un humoriste, et qu'il est capable à tout instant de comportements étranges dont certains pourraient justifier un internement provisoire au milieu psychiatrique. J'aime beaucoup les mouches. Les mouches? Ah. Mortes. Les mouches mortes. Désespérée, une jeune mouche s'est jetée du haut d'un verre d'eau à la cantine d'Evreux. Ça vient de loin, ça. Ça vient d'Evreux. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi, c'est n'importe génial. C'est génial, c'est dommage. Ce qui est dommage dans votre histoire, ouais. c'est que vous avez dit la chose la plus inintéressante et tout ce qui était intéressant était sur moi et j'étais pas à l'antenne. Bah ouais, et ça, ouais. c'est très grave. Bon, il faut virer le réalisateur. Ouais, attendez. C'est un crétin. Daniel Prévost, il a jamais explosé. Moi, si. Fallait pas l'inviter, Prévost. Il est pas assez allumé. Bonsoir. Ce soir, c'est à toi que je m'adresse, mon gros porc. Oui, à toi. Ne fais pas semblant de croire que c'est à quelqu'un d'autre que je m'adresse, mon gros porc. C'est bien à toi. Oui, à toi. Avec ton gros ventre, derrière ton bureau, avec ton gros cigare collé sur tes grosses lèvres charnues. Tu commences à être mal à l'aise, hein, mon gros porc. Tu t'es reconnu, hein? Tu commences à avoir de grosses gouttes de sueur qui perlent comme deux grosses perles suaves sur ton gros front gonflé. Il y a longtemps que je voulais te le dire que t'étais un gros porc. T'es mal à l'aise, hein, mon gros porc. Je vois bien que t'es mal à l'aise. Hein? T'es en train d'essayer de déboutonner ton gros col de chemise avec tes gros doigts boudinés. Tu te souviens, il y a 25 ans, comme t'étais maigre? T'étais peut-être maigre, mais on voyait déjà que tu deviendrais un gros porc. À l'école, tu bouffais comme un porc. Tu chantais comme un porc. Tu parlais comme un porc. Avec les filles aussi, tu te conduisais comme un porc. Hein? En fait, toute ta vie, tu t'es conduit comme un porc. Même en voiture, tu conduis comme un porc. Et je vais te le dire, mon gros porc. T'écris comme un cochon. T'as peut-être des millions de lecteurs, mais t'écris comme un cochon, mon gros porc. Alors je vais te le dire ce soir, solennellement.
Arrête définitivement d'écrire tes ouvrages de porc, mon gros porc. Change de métier, change de métier. Travaille dans l'import-export. Ou alors pars en vacances dans n'importe quel port, dans le port d'Amsterdam, si ça te chante. Mais arrête d'écrire. Arrête d'écrire. Définitivement. Qu'est-ce que vous avez comme autre projet ? Je vais repeindre ma cuisine incessamment. Oui. Et quand vous aurez fini de repeindre la cuisine, est-ce que vous alors, faites comme projet de cinéma, j'ai un gros projet de cinéma. J'irai à la séance de 17h ce soir. Oui, les apparences sont trompeuses. Et lorsqu'on jette un coup d'œil, par exemple, sur la filmographie de Daniel Prévost, le mystère s'épaissit. Peu d'acteurs auraient survécu à des films comme Mon curé chez les Thaïlandaises ou Prends ton passe-montagne et va à la plage, il les a vraiment fait. Daniel Prévost, non seulement s'en est sorti de ces films-là, mais en plus, il a été nominé au César comme meilleur second rôle dans Uranus. Et on peut finir avec un César grâce à un dîner de cons. La preuve, Daniel Prévost. Merci beaucoup. De toute façon, c'est pas mon métier, là. Je suis gardien de nuit, à la base. Quel effet ça te fait d'être devant moi? Je suis impressionnée. T'es impressionnée? Je transpire un peu. Pourtant, on a joué ensemble, déjà. Ouais. Bon, Antoine, tu peux aller te coucher, je vais continuer. C'est vrai que tout le monde ici, on aime tous le cinéma à en mourir. Et d'en mourir, il y a rire. Et moi, je vais faire ça. Je te salue, ma France des supermarchés, des vigiles en bleu et des chiens policiers. France du camembert coulant majestueux, ce camembert si cher au cœur des amoureux. France des frites d'or et du bifteck haché, dont mon cœur s'est souvent trop fort amouraché. Que j'aime ton pinard et ton café du coin, où l'on vient dégoiser entre gentils voisins et refaire le monde, assis à la terrasse, détaillant en secret une fille qui passe et puis qui passe et qui repasse encore, avec Joe son pitbull, pour protéger son corps contre un de ces fumiers de vigiles en bleu, la bouche dégoûtante et le regard hideux qui l'a serré trop fort tout contre son caddie et lui a chuchoté « Viens voir, ma Normandie !» Je te salue, ma France des arts et des lettres, où l'unique obsession est d'être ou ne pas être au chômage, ou viré à 40 ans passés avec la peur atroce de se retrouver vigile ou bien pitbull. Ou caddie délaissé sur le bord d'une route à la périphérie d'une ville où s'endorment là les tout-petits qui rêvent de Daniel qui les fait rire aux larmes avec ses facéties qui font rendre les armes aux terribles vigiles qui rentrent chez eux. Leurs épouses leur a fait cuire un œuf ou deux et puis tout en mangeant ils se bourrent la gueule car ils le savent bien au fond qu'ils sont très seuls, que les filles sont belles au supermarché et que souvent leur cœur est comme déchiré. Déchiré par une de ces chiennes de pitbull. Et le vigile essuie une larme qui coule. Daniel Prévost, si dans une autre vie, vous pouviez choisir qui vous êtes. Choisir qui je suis? Oui. Moi-même. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux.